Le nouvel appel de l'abbé Pierre appelle à la solidarité, un appel au secours contre l'exclusion. Sur l'esplanade du Trocadéro, le fondateur d'Emmaüs a lancé cette nouvelle croisade, incitant chacun à en finir avec l'indifférence. En Arabie Saoudite, tragique bousculade près de la Mecque. 244 pèlerins ont perdu la vie lors d'un mouvement de foule. Autant de blessés pour ce premier jour de l'Aïd. L'Organisation mondiale de la santé évoque l'hypothèse d'une contamination du virus de la grippe du poulet d'homme à homme. Un premier cas de transmission humaine pourrait s'avérer au Vietnam, entraînant, si tel était le cas, le risque d'une pandémie. Alain Juppé regagnera Bordeaux ce soir, 48 heures après sa condamnation. Jacques Chirac demande une mission d'enquête indépendante sur les pressions et les effractions dont auraient été victimes les juges de Nanterre. Cinéma avec Peter Pan, mercredi prochain, mais cette fois-ci ce sont de vrais acteurs qui jouent dans cette production hollywoodienne où l'on retrouve Ludivine Sagné en fée clochette. Madame, monsieur, bonsoir. 50 ans après son premier appel de l'hiver 54, l'abbé Pierre, à 91 ans, engage sans doute son dernier combat. Ce dimanche 1er février devrait donner une nouvelle impulsion pour lutter contre l'exclusion. Cet après-midi, sur l'esplanade du Trocadéro, le fondateur d'Emmaüs s'est adressé à chacun d'entre nous. La pauvreté a changé de visage et la précarité est toujours aussi présente. Il faut partager les raisons de vivre. Cet appel à la solidarité s'adresse d'abord aux citoyens pour mettre fin à l'indifférence et l'égoïsme. Yann Jiquel, Jacques Gérard. 50 ans jour pour jour après le premier appel, ils étaient près de 3000 rassemblés cet après-midi à deux pas de l'esplanade des droits de l'homme à Paris. Compagnons d'Emmaüs et associations caritatives se sont succédés pour crier l'urgence d'agir. Vers 16h, l'abbé Pierre, malgré ses 91 ans, a fait l'effort de se lever pour répondre aux acclamations de la foule. Après 60 ans de lutte contre la misère, il a 9 fois de plus tenu à crier sa révolte. Aurions-nous si vite oublié comment naît cet abandon du pouvoir laissé aux forts avec leurs crimes et leurs sinistres fins avant que Dieu me rappelle? Écoutez-moi vous redire avec un cri, choisissons ensemble dans tous nos actes vraiment sincères et persévérants et décidons d'imposer aux élus ce choix. Le choix de mettre les plus faibles au centre de la société. Et c'est ce qu'il a fait un peu plus tard en se rendant sur l'esplanade des Invalides où une centaine de sans-abri ont élu domicile pour la nuit. C'est en fin de journée que l'abbé Pierre s'est rendu à l'Élysée où il a rencontré Jacques Chirac à l'occasion de cet anniversaire. En Arabie Saoudite, comme chaque année, le pèlerinage des musulmans a été endeuillé à la suite d'une bousculade près de la Mecque. Mais cette fois-ci, ce sont près de 250 personnes qui ont trouvé la mort, autant de blessés. C'est un mouvement de foule qui est à l'origine de ce drame, qui marque la fête musulmane du sacrifice à laquelle participaient des centaines de milliers de fidèles. Arnaud Miguet, Muriel Lassaga. Les ambulances peinent à se frayer un chemin dans la foule immense des pèlerins. Elles viennent porter secours aux innombrables victimes d'un gigantesque bousculade. Beaucoup de blessés qu'il faut évacuer vite, et selon un dernier bilan, 244 morts. Le drame a eu lieu vers 9h ce matin à Mina, à 4 km de la Mecque. Une demi-heure de cohue, des gens piétinés, asphyxiés, alors qu'ils convergeaient par milliers vers la stèle du grand Satan pour le rite de la lapidation. C'est le lieu de tous les dangers, si vous voulez. En un mot, en ce jour très particulier de l'Aïd, les pèlerins ont dû effectuer, doivent effectuer en tout cas 3 rites en l'espace de quelques heures seulement. Alors 2,5 millions de pèlerins, il faut bien se visualiser les choses, c'est un peu comme si la population de Marseille était en mouvement continu sur une superficie somme toute extrêmement réduite. Le jour de l'Aïd, jour du sacrifice, est souvent une journée à haut risque, toujours marquée par le deuil. À Toulouse cet après-midi, un ancien pèlerin se souvient. Des fois, on n'arrive pas parce que soit on est moins fort, soit on est bousculé, on trébuche, on tombe et c'est fini. Une fois que vous tombez, vous êtes piétiné. Malgré les menaces d'attentat, 2 millions de musulmans se sont rassemblés à la Mecque cette année autour de la Kaaba, ce gigantesque cube qui abrite la pierre noire, symbole de l'origine de l'univers. Un pèlerinage qui les amène aussi au mont Arafat et à la stèle de Satan, le lieu du drame. En 1990, 1400 personnes avaient péri dans un mouvement de foule non loin de cette pierre noire.
En Irak maintenant, au nord du pays, dans la ville kurde d'Erbil, une attaque terroriste a eu lieu en ce jour de l'Aïd. Il s'agit de l'une des plus meurtrières depuis la chute de Saddam Hussein, un véritable carnage, au moins 56 personnes tuées, 200 blessées. Deux kamikazes se sont fait exploser à l'intérieur même des locaux des deux parties du Kurdistan à quelques minutes d'intervalle. Stéphane Bretner, Philippe Jasselin. À l'extérieur du bâtiment, on court dans tous les sens. Toutes les voitures disponibles sont mobilisées pour transporter les blessés et les morts. Et il y en a des dizaines. Au siège de l'UPK, on avait pourtant sorti les chaises en ce jour de fête. À 10h du matin, un kamikaze ceinturé d'explosifs se fait sauter au milieu de la foule. 5 minutes plus tard, un autre kamikaze actionne sa ceinture d'explosifs, cette fois-ci au siège de l'autre parti kurde, le PDK. Deux membres de la direction sont tués. À l'hôpital, on vient identifier les cadavres. Certains ne sont même plus reconnaissables. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien, une région autonome contrôlée par les deux parties kurdes depuis 1991. Alliés des Américains pendant la guerre, ce sont les Peshmerga qui ont combattu au nord pour repousser les troupes de Saddam Hussein. Ils ont également donné des renseignements pour la capture du dictateur en décembre dernier. Ce matin d'ailleurs, les Kurdes ont accusé l'organisation Ansar al-Islam. Avant la guerre, ces islamistes sanguinaires contrôlaient Halabja, une petite enclave dans le nord-est kurde de l'Irak. Fin mars 2003, les Américains ont bombardé les camps des terroristes qui comptaient environ 900 membres. Soupçonnés de liens avec Al-Qaïda, certains combattants auraient peut-être réussi à reconstituer un réseau après la guerre pour frapper au Kurdistan. Les autorités irakiennes, comme les Américains, avaient prévu une recrudescence de la violence pour l'Aïd. Des patrouilles de police supplémentaires ont été mobilisées dans toutes les grandes villes du pays pour assurer la sécurité, mais cela n'a apparemment pas suffi pour dissuader les terroristes. Des menaces terroristes précises ont entraîné l'annulation de 10 vols entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous vous le disions hier, les liaisons d'Air France en direction de Washington aujourd'hui et demain sont annulées, ainsi que les vols retour. À Londres, plusieurs vols à destination des États-Unis sont reportés de la même façon à l'aéroport d'Heathrow. Renforcement des mesures de sécurité en ce jour de la fête de l'Aïd. Le virus de la grippe aviaire, selon le pire des scénarios, aurait muté, c'est ce que suppose l'Organisation mondiale de la santé. Pas de certitude encore, mais l'OMS évoque pour la première fois une possible transmission d'homme à homme. Ce premier cas de transmission humaine aurait eu lieu au Vietnam. Si tel était le cas, c'est une pandémie mondiale qui pourrait se déclencher. La grippe du poulet qui touche déjà 10 pays d'Asie se poursuit à un rythme dangereux. Daniel Wolfram. Le petit garçon avait 6 ans en Thaïlande. Il s'agit de la première victime morte officiellement de la grippe aviaire. Un autre enfant est décédé depuis, un troisième souffrant d'une pneumonie sévère et dans un état critique. Avec les 8 Vietnamiens déjà recensés, cette grippe a pour l'instant fait 10 victimes, toutes contaminées par des volailles. Mais il y a plus inquiétant. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète maintenant d'une possible contamination par le porc. L'animal formerait le réceptacle idéal du virus du poulet pour le transmettre ensuite à l'homme, confirmant ainsi l'hypothèse avancée par certains experts internationaux travaillant sur les épidémies animales. Le contact entre le virus humain et animal peut générer des recombinaisons génétiques pouvant donner l'apparition à un nouveau virus très agressif. La possibilité d'une transmission du virus de l'homme à l'homme par simple contact est évoquée pour la première fois par l'OMS. Le cas de deux sœurs vietnamiennes, peut-être contaminées par leur propre frère mort il y a peu, est actuellement à l'étude. Si c'était le cas, cela signifierait que le virus de la grippe aviaire est en train de muter, rendant possible le spectre d'une épidémie foudroyante. Il faut en effet 6 mois pour mettre au point un vaccin efficace, susceptible de contrecarrer le mal. En Chine, on a appris aujourd'hui que 5 nouveaux foyers suspects de contamination avaient été détectés. Face à cette menace grandissante, les autorités accélèrent les abattages, mais ces abattages massifs ne sont pas toujours faits dans les normes et inquiètent les experts sanitaires. Sur place en Chine, nos envoyés spéciaux et correspondants permanents, Philippe Rochaud, Sylvain Chiume. C'est l'un des plus grands centres d'abattage des poulets en Chine. La firme Chatai traite ici 100 000 poulets par jour et pendant l'épidémie, l'abattage continue. À un rythme plus rapide même, il faut compenser l'interdiction récente des abattages de volailles sur les marchés et continuer de fournir du poulet aux consommateurs. Mais avec ses 6 000 ouvriers, l'entreprise estime qu'elle peut faire face et garantir aux clients une viande de poulet non contaminée. À chaque arrivage de poulets, on saisit une dizaine de bêtes pour faire des prélèvements. S'ils sont positifs, c'est la cargaison entière qui sera brûlée. Il faut empêcher la grippe aviaire de gagner la capitale, Pékin.
Il y a maintenant des gens qui sont infectés en Asie. Je suis persuadé, avec l'OMS, que ce virus est contagieux pour les hommes et peut se propager entre les hommes. Ce qui nous ferait connaître une situation bien plus grave qu'avec le SRAS. Sur les marchés, il est interdit de vendre du poulet vivant. Un bon poulet ici est un poulet mort et le marchand doit fournir le certificat de quarantaine. Cette maladie n'a pas eu un gros impact. Les affaires marchent un peu moins bien, c'est tout. Il faut aller sur les marchés de campagne pour trouver des volailles vivantes. Mais les médecins pensent que cette cohabitation étroite entre les hommes et les animaux est responsable de l'épidémie. Or, il y a en Chine 8 milliards de têtes de volailles pour 1,5 milliard d'êtres humains. La condamnation d'Alain Juppé continue de marquer l'actualité de cette fin de semaine. Ce soir, Jacques Chirac, qui ne s'était pas prononcé, demande une mission d'enquête indépendante après les révélations des magistrats du tribunal de Nanterre qui font état, selon eux, de pressions et de menaces avant, pendant le procès et en attendant le jugement. Si ces faits sont avérés, ils sont d'une extrême gravité, selon le communiqué. Jacques Cardoz. Le communiqué se veut solennel. Le président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, demande au Premier ministre de confier une mission d'enquête administrative à trois magistrats. Il s'agit de Renaud Denoy de Saint-Marc, le vice-président du Conseil d'État, de Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, et François Laugereau, premier président de la Cour des comptes. Ces trois hautes personnalités indépendantes auront la charge d'établir la vérité des faits, précise le communiqué, et de proposer au gouvernement les mesures et sanctions qui lui incomberaient de prendre le cas échéant. Le président de la République fait référence aux déclarations de la présidente du tribunal de Nanterre. Selon Catherine Pierce, ses locaux ainsi que ceux de ses assesseurs auraient été visités durant plusieurs mois. Les ordinateurs fouillés. Selon elle, les magistrats auraient même été placés sur écoute. Aujourd'hui, Patrick Stefanini, l'ancien directeur de cabinet d'Alain Juppé, se demande s'il a eu droit à un procès équitable et si les juges étaient bien sereins. La procédure annoncée aujourd'hui n'interrompt en rien l'enquête judiciaire sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire dans l'affaire. Jean-Louis Debré propose ce soir, lui, la création d'une mission d'information parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, dénonçant les éventuelles atteintes de l'indépendance des magistrats, prendra lui-même la tête de cette mission. Comment interpréter la demande du président de la République de créer une mission d'enquête indépendante au-dessus de tout soupçon, Dominique Verdaillan ? Oui, on pouvait s'attendre que le chef de l'État réagisse, j'allais dire politiquement, à la condamnation d'Alain Juppé, aux attendus assez sévères qu'on rappelait dès vendredi ici, hier, sur ce plateau. Il y a déjà eu la réponse de Dominique Perben hier, l'information judiciaire qui est ouverte. Dominique Perben s'étonnait dès hier matin d'apprendre les faits par voie de presse. Nous avons là aujourd'hui une prise en main, j'allais dire, de cette affaire, de l'affaire dans l'affaire, comme vient de le dire Jacques Cardoz, par le chef de l'État, donc qui diligente auprès du Premier ministre cette mission d'enquête administrative indépendante. Ce sont quand même trois magistrats qui vont diriger donc cette enquête pour essayer de comprendre à la fois comment ça s'est passé et comment cette affaire n'a pas pris la connaissance au public avant samedi matin. Il faut rappeler que le président de la République est président de droit du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature. On pouvait donc s'attendre à ce qu'il y ait un message en direction d'Alain Juppé. Ce soir, c'est un message en direction des magistrats. Merci Dominique Verdaillan. À gauche, Dominique Strauss-Kahn se dit choqué par les pressions politiques scandaleuses qui semblent avoir existé avant le jugement. L'ancien ministre socialiste ajoute qu'une décision de justice doit, je cite, « imposer le silence à tous ». Celle-ci donne lieu à un spectacle, dit-il, misérable, inadmissible de la part de ceux qui ont des responsabilités dans l'État. Fin de citation. Et puis pour sa part, François Hollande, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, a considéré qu'Alain Juppé payait pour d'autres. Et c'est le président de la République qui est visé. Nous l'écoutons. C'est Alain Juppé qui a été pénalement condamné, ainsi que les trésoriers du RPR successifs et bon nombre de responsables. Mais c'est Jacques Chirac qui a été moralement sanctionné. C'est le système qu'il avait organisé autour de lui qui a été mis à jour comme illégal. Et sur ce point, même si c'est Alain Juppé qui porte la responsabilité pénale, je considère que la responsabilité morale, elle est collective. Après 48 heures de réflexion et les innombrables messages de soutien venant de son camp, Alain Juppé devrait rentrer ce soir à Bordeaux. Nul ne peut dire quelle sera sa décision. Quittera-t-il la politique? Il devrait s'exprimer probablement mardi prochain. Mais d'ores et déjà, dans son entourage, on précise qu'il assumera les rendez-vous prévus cette semaine. Émilie Lance.
Devant son domicile de Bordeaux, ce soir c'est l'attente. Curieuses et journalistes aimeraient savoir quelle est la décision d'Alain Juppé. Tout le week-end, le président de l'UMP a réfléchi en famille. Selon ses proches, les témoignages de sympathie n'ont pas cessé d'affluer. Le président de la République lui-même lui aurait téléphoné plusieurs fois. Aujourd'hui, ses amis politiques veulent croire qu'à un moment tenté de tout abandonner, Alain Juppé a finalement décidé de rester. Je ne crois pas que le relancement à long terme serait quelque chose qui donnerait du bonheur à Alain Juppé. Alain Juppé est quelqu'un qui a passé sa vie à se consacrer à l'intérêt général. C'est quelqu'un qui est un rassembleur, un battant, un constructeur, un visionnaire. Est-ce un signe ? Alain Juppé semble en tout cas avoir maintenu son emploi du temps cette semaine. Réunion demain à la mairie de Bordeaux. Rencontre avec les parlementaires UMP mardi à l'Assemblée. Surtout, Alain Juppé devrait animer comme prévu le grand congrès de l'UMP dimanche prochain. La semaine dernière encore, il expliquait combien il était attaché à son métier d'homme politique. J'aime ce que je fais parce que j'y crois, parce que j'aime mon pays et que voilà, j'ai conscience modestement et à mon rang de le servir. À un mois et demi des élections régionales, l'objectif pour une UMP très secouée ce week-end semble aussi de maintenir d'abord et avant tout la cohésion du mouvement. Voyons à présent à l'UMP en cette période de turbulence et d'incertitude comment chacun tente de prendre ses marques. Si nouvelle donne, il devait y avoir Michaël Darmon. Les propos étaient très attendus, ils seront convenus. J'aimerais que mes premiers mots s'adressent en votre nom à tous, qui êtes si nombreux ce soir, à Alain Juppé. Alain Juppé est un homme dont personne ne peut douter de la probité personnelle et de l'honnêteté. On ne tire pas sur une ambulance, on la laisse passer. C'est le positionnement de Nicolas Sarkozy face à Alain Juppé. Quelques minutes plus tard, au dîner du CRIF, François Fillon et Nicolas Sarkozy se serrent à peine la main et se tournent le dos. Chiracien contre sarkozyste, l'histoire pourrait s'emballer à droite ces prochains mois. Pour l'instant, à l'UMP, l'enjeu est de se montrer soudé. Je voudrais d'abord dire, comme secrétaire général du mouvement, mon amitié, ma solidarité et ma fidélité à Alain Juppé. Deuxième enjeu pour les proches de Jacques Chirac, empêcher Nicolas Sarkozy de prendre le contrôle de l'UMP. Hier à Asnières, le ministre de l'Intérieur, contrairement à son habitude, semblait faire les yeux doux au parti majoritaire. Dans une période difficile, il n'y a qu'une seule chose à faire. Renforcer notre union, être solidaire, se serrer les coudes et faire face aux épreuves pour les surmonter. C'est pourquoi l'Élysée, avec Jérôme Monod, le conseiller politique, devrait organiser le dispositif TSS, c'est-à-dire tout sauf Sarko. C'est pourquoi Jacques Chirac a demandé que s'organisent les appels à Alain Juppé. Il faut qu'il continue, il faut qu'il trouve les moyens de continuer, il faut qu'il trouve probablement aussi en lui-même la force de continuer. Et malgré les propos du ministre de l'Intérieur à Asnières, l'entourage d'Alain Juppé soulignait que deux personnes n'avaient pas envoyé de message au maire de Bordeaux, François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Le 20e anniversaire de la fondation du Parti des Verts, photo souvenir, nostalgie dans une ambiance de fête hier soir à la Villette, dans un cabaret parisien en présence de Dominique Voynet qui a trinqué avec son successeur Gilles Lemaire. L'histoire des Verts n'est pas un long fleuve tranquille, fut le préambule de cette fête. Un an après la marche des femmes contre les ghettos, le mouvement Ni pute ni soumise a un avenir et Fadela Amara, sa présidente, compte entreprendre un tour de France républicain. Il s'agit cette fois-ci de répondre aux intégristes. Le débat sur la laïcité et la question du voile prédomine. Le mouvement a pris du poids et de l'ampleur, déjà près de 2000 adhérents. Stéphanie Davoigno, Philippe Mugerin. C'était hier soir à Paris, la soirée où il fallait être et être vu. Le décor, celui d'une agence de communication parisienne. Au menu petit four et personnalité politique à volonté. À gauche, Jack Lang signe des autographes aux militantes. À droite, Cécilia Sarkozy prend la pose avec Fadela Amara, la présidente de l'association. Tous, bien sûr, affirment l'avoir soutenue dès le début. La révolte contre l'injustice, c'est d'abord une cause de la gauche. Qui peut dire ce qu'est une valeur de gauche ou une valeur de droite ? Moi, je défends toutes les bonnes valeurs. Égalité entre hommes et femmes dans les banlieues et ailleurs. Laïcité, des valeurs porteuses en ces temps de campagne électorale. Ni pute ni soumise a su attirer l'attention des politiques. À elle de ne pas se couper de la base. Que
que ce soit le show business, les intellectuels ou les gens, ce qu'on appelle les gens d'en bas par exemple, et ben regardez, ils sont tous là autour du mouvement. Tout cela avec beaucoup de politique quand même et beaucoup de cela. C'est normal que les politiques viennent, c'est logique. Ça prouve que le mouvement Ni pute ni soumise est entendu, y compris dans la sphère politique. Octobre 2002, Sohan, 17 ans, meurt brûlé vive, tué par un jeune homme de son quartier. C'est de ce meurtre que naît l'association. Au départ, une simple curiosité médiatique. Mais un mois plus tard, elle rassemble 20 000 personnes à Paris. Les filles auront même le droit à la consécration républicaine. Leur portrait en Marianne s'affiche sur le fronton de l'Assemblée nationale. Mais quelle présence sur le terrain. L'association a obtenu la gestion de 50 logements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Au-delà de la réception d'hier soir, elles sont aussi intervenues à 500 reprises dans les écoles. Demain, l'association reprend sa marche. Elle organise des débats sur la laïcité dans 18 villes françaises. Les campagnes anti-tabac et les hausses à répétition du prix des cigarettes produisent les effets escomptés. C'est ce que semble en tout cas indiquer cette enquête Ipsos publiée par l'Institut de prévention et d'éducation de la santé. Il y aurait en moins de 4 ans 1 800 000 fumeurs en moins, du jamais vu dans l'histoire tabagique française. Par ailleurs, 2/3 des fumeurs déclarent vouloir s'arrêter. Du côté des autoroutes, les automobilistes doivent s'attendre dès aujourd'hui à une hausse de 2 à 2,5% du tarif des péages sur les autoroutes du sud de la France. À titre d'exemple, cette augmentation porte le trajet Lyon-Montpellier à 20 euros. Marc Blondel tire sa révérence après 15 ans à la tête de Force ouvrière, dont le congrès s'ouvre demain. Le secrétaire général passe le relais à son remplaçant, Jean-Claude Mailly. Pas de rupture, au contraire. C'est tout en douceur que Marc Blondel abandonne à 65 ans ses fonctions. Agnès Meunier. C'est un show comme il les aime. À 65 ans, Marc Blondel faisait en septembre son dernier meeting de rentrée après 15 ans à la tête de Force ouvrière. Et la casquette rouge pour les jeunes qui vont venir. Le jeune aujourd'hui, c'est Jean-Claude Mailly, 50 ans. L'assistant de Blondel depuis plus de 20 ans, toujours à ses côtés, intime au point d'être témoin à son mariage. Discret, il a rarement été sur le devant de la scène. Ce fut pourtant le cas au printemps, sur les retraites. Sa ligne était celle de Blondel, dire non jusqu'au bout à la réforme. Pour faire reculer le gouvernement, nous savons et nous disons qu'une généralisation du mouvement est nécessaire. Avec Marc Blondel, Force ouvrière aujourd'hui, c'est le jusqu'au boutisme. Pourtant, le troisième syndicat de France a jusqu'aux années 80 signé la plupart des accords sociaux. André Bergeron incarnait ce réformisme. Marc Blondel, lui, a tiré le syndicat vers une ligne plus contestataire, quitte à avoir aujourd'hui un problème de place. C'est clair que Force ouvrière a du mal à trouver son positionnement par rapport à une CFDT qui a pris sa place d'interlocuteur privilégié du patronat et à une CGT qui est en train de faire son deuil de la période communiste. Le poids médiatique de Marc Blondel dépasse largement l'influence de son syndicat. Allez, bonne retraite. Tout l'enjeu pour son successeur est de s'imposer lui aussi sur le devant de la scène. En Irak, le musée de Bagdad, mémoire de toute une civilisation, a été sauvagement pillé au moment de la chute de Saddam Hussein. Peu à peu, les objets volés sont récupérés et retrouvent leur lieu d'exposition. Stéphane Bretner, Philippe Jasselin. Tous les matins, monsieur le directeur promène sa bonhomie au milieu de 4000 ans d'histoire, ou plutôt ce qu'il en reste. Ils ont cassé cette statue en 1000 morceaux et ont pris la tête. Comment peut-on imaginer commettre un tel crime ? Comme tous les bâtiments officiels, le musée n'a pas échappé au pillage. Mais Georges Donny n'emploie pas ce mot, il parle de vol organisé. Les pillards étaient très bien préparés. Ils ont creusé ce trou parce qu'ils savaient qu'on accédait facilement au musée par là. Et je pense qu'en plus, ils avaient de bonnes connaissances en archéologie, parce que les reproductions du musée, ils n'y ont pas touché. Et ils nous apportent plusieurs fois la preuve de cette préparation. En ce qui concerne les tables d'écriture, vous voyez, les voleurs n'ont pris que 9 pièces. Je ne vois à cette sélection qu'une raison, ce n'étaient pas des voleurs comme les autres. Ils avaient une liste. Ce qui a été sauvé était dans ces vitrines. Un mois avant la guerre, le musée a transporté tous les objets dans les coffres de la banque centrale. Mais sur 15 000 pièces volées, il en manque toujours 5 000. Aujourd'hui, seule la salle de l'époque assyrienne a retrouvé une apparence, parfois grâce aux Irakiens. Deux jeunes Bagdadis qui étaient dans le musée au moment du pillage ont vu cette statue cassée par terre. Ils l'ont emmenée chez eux pour la protéger et ils l'ont ramenée une fois le musée sécurisé.
D'autres Irakiens ont également rendu des pièces, mais beaucoup sont sans doute déjà aux mains de collectionneurs privés. Le principal objectif est donc d'essayer d'en récupérer un maximum. Des dizaines d'objets ont été saisis, principalement dans les pays européens, aux États-Unis, en Jordanie. Nous avons pris contact avec ces pays pour qu'ils arrêtent les trafiquants et nous rendent les pièces le plus rapidement possible. En plus d'un atelier de restauration à créer, le musée est à refaire entièrement. Autant dire que l'ouverture au public n'est pas prévue avant un an. Ce dimanche pour les musulmans est un dimanche de fête. C'est l'une des deux grandes célébrations de l'année. La fête du mouton, l'Aïd, est suivie par une très grande partie de la communauté musulmane. Florence Mavic et Philippe Kérou ont suivi l'une de ces familles en région parisienne. Ce matin, c'est la foule des grands jours à la mosquée de Vigneux-sur-Seine. Hassan le Marocain côtoie dans la prière ses frères d'Afrique, d'Orient ou d'Europe. La fête de l'Aïd el-Kébir, qui commémore dans l'Ancien Testament le sacrifice d'Abraham, est toujours un moment de forte émotion pour Hassan. On se sent très fort parce qu'on rencontre pas mal de gens. Il y a une solidarité qui s'installe, une joie. Une joie à laquelle se mêle aussi une pointe d'agacement. Car après la prière, il faut attendre des heures à l'abattoir pour recevoir sa carcasse de mouton, symbole du sacrifice. Enfin, on a eu le mouton, donc on part à la maison pour le fêter en famille. Et à la maison, l'impatience est tout aussi grande. C'est un grand jour, et puis on passe du temps avec la famille, et ça fait plaisir. Entre couscous et découpe du mouton, l'Aïd el-Kébir, c'est l'occasion pour les anciens de rappeler certains préceptes aux fils ou aux neveux. C'est une obligation pour lui d'obéir à Dieu, mais aussi à ses parents. Donc ça, en fait, ça fait partie des... Donc à ne pas faire de bêtises. Tout à fait, voilà. Pour Hassan et sa famille, cette fête doit s'inscrire dans les actes de la vie de tous les jours. C'est la notion de partage, c'est vraiment connaître l'autre et développer vraiment des relations sociales qui feront que ça se passe bien. Et pas le communautarisme. Absolument pas. À partir du moment où on va vers l'autre, indépendamment de sa confession, indépendamment de sa croyance, c'est plus le communautarisme. Ce soir, voisins, famille, collègues de travail, tout le monde viendra boire un verre de thé chez les Moussaouis. La porte est ouverte à qui veut entrer. Une tonne de résine de cannabis a été saisie en fin de semaine dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce millier de kilos a été découvert dans un camion britannique derrière des cajots d'oranges. Après l'éboulement d'un pan de montagne en Isère, deux victimes ont été retrouvées ensevelies sous les pierres. On n'en sait pas davantage. Après avoir reçu les familles des victimes de la catastrophe de Flash Airlines, Dominique Perben n'a demandé qu'un fonds d'urgence soit mis à leur disposition, surtout pour les enfants des victimes. Et puis à Saint-Cyr, dans le Var, sur la plage qu'affectionnait une des passagères du crash de Sharm el-Cheikh, sa famille et ses amis lui ont rendu hommage en lâchant des ballons et des colombes. C'est cette famille qui a porté plainte, notamment contre la compagnie aérienne et les voyagistes. Venons-en à l'appel de cette association qui s'occupe d'enfants autistes ou souffrant d'autres handicaps, mais qui ont besoin pour vivre d'une structure d'accueil spécialisée. Près de Montpellier, cet établissement menace de fermer faute de moyens financiers suffisants. Hélène Vergne, Pascal Ponce. Laisse ta main, vas-y. Très bien, continue. Un exercice d'équilibriste qui n'a rien d'un simple jeu pour la petite Jade. Il a fallu plus d'une année d'apprentissage pour y parvenir. Autiste, comme la plupart de ses camarades, elle a trouvé au sein de l'association Parenthèse un cadre pour s'épanouir à son rythme. Ici, on les accueille parce qu'ils n'ont rien d'autre. C'est vraiment la chose la plus positive pour eux, quoi. Qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge, qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls, que les parents ne se retrouvent pas seuls avec leur enfant à la maison. T'es à l'école. À l'école, t'es là pour faire des choses avec nous et pas pour jeter des choses. Si Parenthèse a été créée il y a 4 ans, c'est précisément pour répondre au déficit de place. 500 dans l'Hérault, 13 000 en France. Le secret de l'association, c'est un taux d'encadrement très important et l'exigence d'intégration, malgré le handicap. À l'école, ils apprennent à fonctionner avec d'autres enfants. Bon, il y a des règles. Apparemment, ça leur permet quand même de pouvoir sortir, aller dans un... Je sais pas, dans des boutiques, dans un restaurant avec leurs parents, ou être invité, ou aller dans un jardin d'enfants. Et ça marche. Ces enfants rejetés des établissements publics, car jugés trop difficiles, sont ici de plus en plus autonomes. Pourtant, si rien n'est fait, la structure fermera en mars prochain, laissant les familles sans recours. Pour 17 ou 18 parents, ça fera une catastrophe. Vraiment. Et je comprends pas pourquoi Parenthèse fermerait. Je veux dire, il y a une carence
de structure. Il y a vraiment, et ça serait vraiment un désengagement d'État total. Il reste 2 mois à l'association pour trouver 40 000 euros. La fermeture de parenthèse condamnerait ses enfants à une régression certaine. L'actualité sportive du ski avec ex aequo la française Carole Montillet, l'allemande Maria Riosch. Elle se partage la victoire dans le Super G comptant pour la Coupe du Monde. Chez les hommes, le français Pierre-Emmanuel Dalsin atteint le podium. Manuel Tissier. Le sourire de Montillet, une belle revanche dans la patrie du ski en Autriche. La française, décevante en descente, a retrouvé tout son talent en Super G pour décrocher sa 8e victoire de Coupe du Monde. Carole Montillet a livré une fin de course tout en puissance et peut encore espérer remporter le classement général de la discipline. Elle finit première ex aequo avec la jeune prodige allemande de 19 ans, Maria Riosch, devant toutes les Autrichiennes. Ça c'est génial parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et on a été frustrés parce que quand il y a eu les courses à Megève, c'est 3 Autrichiennes qui sont venues chez nous remplir ce podium. Et puis là, cette semaine, il n'y a pas une Autrichienne qui gagne une course, donc j'en gagne une, c'est tant mieux. Pierre-Emmanuel Dalsin soulève lui aussi un trophée en Super G, mais le Français n'a pas réussi à battre son idole autrichienne, Hermann Mayer. À 28 ans, Dalsin n'enlève que la 2e place, mais elle a le goût d'une victoire. C'est son premier podium en Coupe du Monde. Et à Morzine, compétition de ski particulière aujourd'hui. Pour une fois, pas de piquet, pas de piste damée, juste une porte de départ et une porte d'arrivée. Libre à chaque skieur de trouver la voie la plus rapide pour arriver en bas. Julien Beaumont, Samuel Humez. À première vue, tout paraît calme, trop calme. Nous sommes en hors-piste, dans une zone sécurisée, pour une compétition un peu particulière. Et surtout, essayez d'aller le plus vite possible. Ok. D'accord. Okay. Hein. Ok. Bien, parfait. Sans candidat au départ, attention, le principe 44, tient 44, en une phrase. Top. Départ. C'est de partir d'ici et d'arriver en bas au Prodin. Il y a quoi? Il y a 1300 mètres de dénivelé dans un temps le plus réduit possible, quoi. Top. Départ. Pour aller vite, une seule solution: partir tout droit, quelle que soit la pente. Problème: une bosse en chemin. Écoutez siffler les bâtons et crier les skieurs. Malgré le niveau des participants, les chutes existent. Heureusement, la neige est molle et les blessures rares. Je me suis rapidement rendu compte que personne ne veut se tuer, tout le monde contrôle sa vitesse, on part un petit peu comme des fous sur 20 mètres, et après on fait vite, hop, stop, du calme, je contrôle, je maîtrise. Et il y a rarement d'accidents. Aujourd'hui, on a eu juste une fille qui s'est tordue un tout petit peu un genou, elle s'est cassée la figure comme elle l'aurait fait sur une piste normale, voilà. Les meilleurs auront mis un peu plus de 3 minutes pour arriver en bas, oui, mais dans quel état? Voilà. C'est pour les malades, non? Ouais, un peu, ouais. Là, ça fait mal. La fin, les cuisses, dur. Premier prix 150 euros, pour les autres, le plaisir d'avoir fait le spectacle. Football avec le championnat d'Angleterre. Arsenal a battu Manchester City 2-1 avec un but splendide de Thierry Henry. Nicolas Anelka, lui, s'est fait expulser juste après avoir marqué un but. Grâce à cette victoire, Arsenal conserve la tête du classement. Cette semaine à Rennes, 10 ans après l'incendie, le Parlement de Bretagne rouvre ses portes. Un événement marqué par une série de concerts et d'animations. Les travaux réalisés de restauration sont exceptionnels. Visite guidée Isabelle Rio et Gabriel Camilla. Les flammes embrasent le Parlement de Bretagne. 3 étages ravagés. Livres, tableaux, tapisseries. Les trésors d'une histoire de 3 siècles partent en fumée. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les Rennais admirent à nouveau les ors de leur palais. Les autres plafonds ont été décorés par des sculpteurs bretons tentant d'interpréter celui-ci. Ah, les Rennais ne pleurent plus. Ils sont vraiment très très satisfaits, je crois, de tout ce beau travail qui a été fait. Hein. Une décennie aura suffi pour reconstruire et restaurer ce qu'on a cru perdu. Un chantier exceptionnel, une 60aine de métiers au savoir-faire parfois unique collaborent depuis sans relâche. Les dernières touches sont données ici sur les sculptures du plafond de la salle des pas perdus. Le lustre va être suspendu parce qu'on a mis une structure qui permet de la suspension du lustre. En fait,
La cour d'assises et la cour d'appel reprennent possession de leurs murs en 1999. Les magistrats retrouvent une nouvelle bibliothèque sous la charpente, désormais contemporaine. Depuis l'incendie, la modernité en a profité pour s'immiscer discrètement. C'est une réussite extraordinaire parce que l'ensemble de ces travaux du démontage des panneaux en bois a permis l'incorporation de réseaux de chauffage, d'informatique, d'électricité, de ventilation qui n'auraient jamais pu avoir lieu si l'incendie n'avait pas eu lieu. On reconnaît la justice qui tend la main à l'innocence. Ils sont 70 000 visiteurs par an à découvrir ce nouveau Parlement. Les dernières sculptures seront dévoilées l'été prochain. C'est surtout la formidable aventure humaine de cette restauration qui sera alors saluée. Cinéma avec Peter Pan mercredi prochain, mais cette fois-ci ce sont de vrais acteurs qui jouent dans cette production très hollywoodienne où l'on retrouve Ludivine Sagnier en fée clochette, une jolie participation pour la jeune actrice française. Le conte de fées se prolonge. Marie-Jo Jouan, André Issora. Au pays imaginaire de Peter Pan, ne dites surtout pas que les fées n'existent pas, car vous les feriez mourir sur le champ. Minuscules, elles tiennent dans la paume de la main. Viens avec moi là où jamais. Jamais on ne t'ennuiera avec des histoires de grandes personnes. Et leur poussière fait voler les enfants. Le pouvoir magique, c'est quand même celui qui est le plus impalpable et en même temps celui dont tout le monde rêve. Le pouvoir magique, Ludivine Sagnier l'a eu le temps d'un tournage hollywoodien où le conte imaginé il y a un siècle par James Matthew Barry a pris réellement vie. Après de nombreuses versions en dessin animé, Peter Pan et les enfants perdus, le capitaine Crochet, prennent définitivement un visage humain. Un visage, mais pas de voix pour la fée Clochette qui est ici muette. Un rôle de composition très physique qui a demandé à la jeune actrice une grande souplesse, tout comme aux autres jeunes acteurs suspendus par des filins sur fond bleu pour les effets spéciaux. Un mini-rôle qu'elle a dû interpréter le plus souvent seule devant la caméra. Dans ma solitude, j'ai exigé de passer le plus de temps possible avec les enfants perdus pour que justement ils puissent m'imaginer faire partie de leurs aventures sans pour autant que je sois là physiquement. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble en dehors du tournage. Thank you. Alors pour compenser, Ludivine a fait de Clochette une vraie chippie. Attention les enfants. Hein. Je pense que ce que je partage avec Clochette, c'est plus la part d'enfance qui n'arrive décidément pas à s'en aller. C'est ça qu'on a en commun. Sûr qu'avec ce dernier opus de Peter Pan, on aura encore moins envie de grandir. La poussière de fée, lorsqu'elle est utilisée à forte dose, a des retombées incontrôlables. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Rioué. 20h55, le sixième sens avec Bruce Willis. 1h, dernier journal avec Jean-Claude Renaud. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit Eric Raoult. À 13h, Daniel Bilalian. À 20h, David Pujadas. Puis, complément d'enquête, Benoît Duquesne consacre son émission à la précarité et à l'exclusion avec l'abbé Pierre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 2.